Voici donc au cœur de la séance prévue cette semaine, soit la querelle du joual. Donc, pour cette troisième capsule. Pour bien suivre cette capsule, vous aurez besoin d'avoir sous la main les textes autour du joual, donc les textes que vous deviez lire pour cette semaine. Je vous invite donc à les récupérer et on va commencer. Donc, d'abord, commençons par nous demander qu'est-ce que le joual. Hein? D'une façon simple et pragmatique, on pourrait dire qu'il s'agit d'une façon de décrire un état de la langue française, hein, dans lequel on dit joual au lieu de cheval. Hein? M'aller rentrer mon joual, hein? C'est comme ça que le décrit Jean-Paul Desbiens dans le premier paragraphe de son texte. Donc, Jean-Paul Desbiens, le frère un tel. Hein, qui nous dit « Le mot joual est une espèce de description ramassée de ce que c'est que le parler joual. Parler joual, c'est précisément dire joual au lieu de cheval. » Donc, première définition pragmatique qui nous dit clairement ce qu'est la chose. D'un point de vue plus linguistique, le joual est décrit par Candide, pseudonyme de André Laurendeau, donc dans le premier texte que vous avez, comme une langue dans laquelle, et là je suis dans le gros paragraphe de la deuxième section, dans laquelle tout y passe, les syllabes mangées, le vocabulaire tronqué ou élargi toujours dans le même sens, les phrases qui boitent, la vulgarité virile, la voix qui fait de son mieux pour être canaille. Ce qu'on note ici, c'est donc que le joual se repère autant dans la prononciation, qui est une prononciation avachi, on peut dire, relâché, dans la syntaxe qui est déglinguée, dans un vocabulaire pauvre, dans un registre de langue généralement vulgaire, voire dans une intonation ou un accent populaire. Laurendeau utilise le terme canaille, donc populaire au sens de rustre, ou de bas étage, en opposition à un accent qui serait noble ou distingué, par exemple. Donc, on a une première définition plus pragmatique chez Desbiens, une définition plus linguistique chez André Laurendeau. Et si on va maintenant au texte de Michel Lalonde, on va avoir une autre définition qui serait peut-être plus sociologique, ou en du moins qui proposerait une distinction entre le joual et la langue québécoise. Donc, c'est le début du deuxième segment, donc chapitre 9e de la parlure dite cheval. La langue québécoise n'est donc pas réductible à ce que, par dérision, j'ai baptisé le québécois et que l'on appelle plus ordinairement joual ou parlure joual. Laquelle parlure on confond souvent bel et bien, vu la grande incertitude actuelle des esprits, tantôt avec les jurons ou blasphèmes qui la ponctuent, tantôt avec l'accent, tantôt avec uniquement avec nos anglicismes. Donc, déjà, Lalonde, ce qu'elle note ici, c'est qu'il y a différentes définitions du joual qui vont confondre certains éléments. Pour elle, il y a une vraie distinction entre le joual, qui est particulièrement marqué par la présence d'anglicisme, et la langue québécoise, qui se démarque donc plutôt par sa prononciation paysanne, notre paysanne prononciation des mots envoyer et quérir. Donc, la langue québécoise se distingue par la prononciation et par un vocabulaire qui serait empreint d'archaïsme, des vieux mots du fond folklorique, proches de la langue du 16e siècle de Joachim du Bellay, qui est celui qui va écrire La défense et illustration de la langue française, duquel se réclame Lalonde dans sa défense et illustration de la langue québécoise. Et donc, elle va se réclamer de Dubélé et se réclamer de cette langue québécoise archaïsante un peu, donc le ton aussi qu'elle emprunte dans son essai du français du 16e siècle. Alors qu'au contraire, elle va prendre ses distances par rapport au joual marqué d'anglicisme. Donc, bref, le joual, comme Lalonde le dit, n'est pas clairement défini. Il est l'objet d'incertitudes, de confusions quant à sa définition. Il peut prendre différentes formes selon les auteurs. Et c'est la même chose quand on s'intéresse au locuteur du joual.
Donc, qui parle joual, si on en croit Desbiens et Laurendeau, hein, donc je vous ramène aux deux premiers textes, le joual, c'est la langue des jeunes. Hein, c'est la langue d'une génération marquée par une espèce de relâchement hein, qui est considéré comme une forme de rébellion par les jeunes. Laurendeau fait d'ailleurs un parallèle hein, avec le port de la veste de cuir. Hein, donc, je retourne juste un petit peu avant la citation que je vous ai lue précédemment. Bon, le début du paragraphe, ça les prend dès qu'ils entrent à l'école, ou bien ça les pénètre peu à peu par osmose quand les aînés rapportent gaillardement la bonne nouvelle à la maison. Les garçons vont plus loin linguistiquement, les garçons vont plus loin linguistiquement, ils arborent leur veste de cuir. Donc, le joual sera un signe distinctif, hein, un signe de rébellion propre à la jeunesse, hein, comme une mode, un style qui serait relié à une identité subversive. Hein. C'est ce qu'on a chez Desbiens et c'est un peu ce qu'on a chez Laurendeau et c'est un peu ce que reprend aussi Desbiens lorsqu'il évoque hein, nos élèves. C'est la fin du premier, en fait, c'est le deuxième paragraphe. Nos élèves parlent joual, écrivent joual et ne veulent pas parler ni écrire autrement. Leur joual est leur langue. Donc, la langue d'une génération, il y a une forme d'appartenance associée à cette langue-là, donc pour Desbiens et pour Laurendeau. Il en va tout autrement pour la Londe et pour les partis pristes, hein, qui sont représentés ici par le texte de Gérald Godin, Le joual et nous, qui est paru hein, dans le numéro Pour une littérature québécoise en 1965 dans Parti pris. Donc pour la Londe et Godin, en effet, le joual est plutôt la langue des classes populaires urbaines. La Londe, je l'ai déjà évoqué, hein, oppose le joual à notre paysanne prononciation, hein, qui rappelle un fond folklorique, donc à une langue qui serait hein, celle des campagnes ou peut-être des régions. Hein. On en déduit donc que pour elle, le joual, à l'inverse du parler québécois, hein, serait plutôt urbain, hein, influencé par le contact de l'anglais dans les milieux du travail, hein, comme elle l'évoquait dans Speak White, hein, notre langue tachée de cambouis et d'huile, donc qui renverrait plutôt hein, notre parlure pas très propre. Donc là, ça serait peut-être plus proche du joual urbain. Pour Godin, le joual, c'est aussi la langue du peuple, mais donc telle que vue par les élites qui cherchent à rabaisser hein, les gens des classes économiquement inférieures. Je cite ici le dernier paragraphe de la première colonne, hein, donc la deuxième, on commence à la deuxième phrase. Comme seul à s'exprimer, ce sont, pardon, comme Comme seuls à s'exprimer sont ceux qui ne parlent pas joual, le mythe prospérait. Hein, les Canucks sont des baragouineurs de qualité intellectuelle inférieure. Il n'appartient qu'à eux de bien parler. Ce sont des frogs. Hein, donc, Canucks, frogs, c'était souvent les mots utilisés pour insulter les Canadiens français. Hein, mais ici, c'est aussi des mots qui seraient utilisés donc par les classes sociales supérieures hein, pour rabaisser les gens du peuple, en les traiter de baragouineurs et donc les identifier à partir d'une langue de façon méprisante. Donc le joual, chez Godin, serait presque un mythe. Hein, il dit le mythe prospérait, au sens où c'est la façon caricaturale dont les élites perçoivent la langue du peuple hein, et sur laquelle ils font reposer l'idée d'une infériorité intellectuelle du peuple. Mais donc, Godin et les partis pristes, on va le voir, vont chercher à faire exister cette langue, hein, donc dans une perspective de rédemption populaire, hein, une rédemption du peuple par hein, une activation de cette langue, donc une réappropriation de cette langue par le peuple, alors qu'au départ, ça devait être une insulte de la part des élites. Donc, pour revenir aux locuteurs du joual, hein, donc pour certains, ce sont les jeunes, pour d'autres, c'est la classe, les classes populaires urbaines. Si on va du côté de Georges Dorr, en 1996, hein, le joual, donc c'est le dernier texte que vous aviez, le joual prend une dimension beaucoup plus large. Hein, bon, il est un peu en dehors de la querelle à proprement dite, ou disons des débats des années 60-70. Donc à la page 24, la dernière colonne à droite,
Ah, il a dit, c'est la langue parlée habituelle de mes concitoyens. Hein, donc, beaucoup plus large comme définition, c'est la langue parlée dans les cafés, c'est parler la langue parlée dans la cour d'école par les enfants ou à la cafétéria hein, sur la pause dîner. Donc, Georges Dor élargit la définition ou la part des locuteurs du joual. On pourrait aussi évoquer le cas du théâtre de Michel Tremblay, dont je vais reparler tout à l'heure. Mais donc, dans le théâtre de Tremblay, le joual, c'est la langue des familles ouvrières du plateau Mont-Royal. Donc, c'est aussi incarné géographiquement comme réalité linguistique. Donc, bref, tant la définition du joual que l'identité de ses locuteurs va beaucoup dépendre hein, des auteurs et du rôle qu'ils veulent donner à cette langue. Hein. Et c'est en partie pour cette raison-là qu'il y a ce qu'on appelle la querelle du joual. Donc, qu'est-ce que c'est que cette querelle du joual? Hein? En fait, il n'y a pas vraiment de querelle à proprement parler, hein? Pas de polémique claire entre deux clans bien définis, en tout cas. Seulement, donc, une série d'articles étalés, même sur un certain nombre d'années, hein, qui proposent des points de vue différents sur soit la valeur, la définition, les usages ou les fonctions du joual. Hein? Donc, le joual devient en quelque sorte un sujet à propos duquel chacun veut mettre son grain de sel. Parfois en s'opposant à d'autres points de vue énoncés avant lui, mais sans en nécessairement que ça forme une polémique structurée hein, sur des échanges entre deux ou plusieurs belligérants qui s'opposent hein, et qui s'adressent l'un à l'autre. Donc la querelle repose davantage hein, sur la confusion qu'évoque Michel Lalonde dans son texte, au début de son texte, donc la première partie à l'intention de l'auteur, la deuxième phrase hein, où elle parle de la langue québécoise. Donc, Icel, hélas, fait actuellement l'objet de moult controverses et vilaines chicanes, toutes plus ou moins envenimées par une effroyable confusion des termes du problème, au point qu'on ne sait plus qui c'est qui la parle, ni même quoi c'est qu'il faut entendre par parler tout court, et s'il ne serait pas, par exemple, plus pratique pour des humains de hennir. Donc, hennir, cri du cheval, donc on évoque ici, hein, la question du joual. Donc, c'est plutôt une confusion hein, et bon, une série d'articles ou de textes qui composent cette querelle du joual. Donc, celle-ci commence en 1959 par l'article d'André Laurendeau, donc sous le pseudonyme de Candide, puis est suivie par la réponse de Jean-Paul Desbiens sous le pseudonyme du frère Untel. Hein, donc, on voit presque que la question est délicate, hein, puisque les auteurs utilisent dans les deux cas des pseudonymes. Donc, la réponse de Desbiens à Laurendeau paraît d'abord sous forme d'article dans Le Devoir avant que, bon, Desbiens, l'année d'après, regroupe quelques-uns de ses textes dans le livre Les Insolences du frère Untel, livre qui va d'ailleurs connaître un immense succès. Hein, donc, on va se l'arracher en librairie, c'est vraiment un best-seller, ce qui va alimenter hein, le débat autour de ce sujet de la langue parlée par les jeunes. Donc, dans leur texte, Laurendeau et Desbiens dénoncent, on l'a vu, hein, la langue des jeunes. Ils en font un signe d'une espèce de laisser-aller de la jeunesse, mais aussi plus largement du système scolaire. Plus largement encore, ils voient dans cette langue d'une génération le symbole d'une pauvreté culturelle. Hein. Donc, vers la fin de son texte, Laurendeau parle un peu d'une langue ou d'un idiome digne des ciné-feuilletons, hein, donc des téléromans. Desbiens, pour sa part, dans son texte, va plus loin. Hein, c'est encore là, c'est la fin de l'extrait que je vous avais donné à lire. Hein, et en fait, quelque chose comme une pauvreté civilisationnelle. Donc, je cite, on est amené ainsi au cœur du problème, qui est un problème de civilisation. Nos élèves parlent joual parce qu'ils pensent joual et ils pensent joual parce qu'ils vivent joual comme tout le monde par ici. Vivre joual, c'est rock'n'roll et hot dog, party et balade en auto, etc. C'est toute notre civilisation qui est joual. Donc, c'est un problème hein, issu de la culture, de la civilisation. Par ailleurs, pour eux, hein, parler joual est à la fois la cause et le résultat d'une inaptitude des Québécois à s'affirmer, hein, à communiquer efficacement, à exprimer une pensée abstraite. Hein, selon eux, les jeunes Québécois
ont de la difficulté à communiquer clairement parce qu'ils appartiennent à une société de primitifs. C'est ce que dit Desbiens, donc incapable de s'extraire de la quotidienneté, hein, de la vie quotidienne. Et donc, par le fait même, ils n'arrivent pas à développer un vocabulaire abstrait, hein, qui leur permettrait d'exprimer une pensée complexe. Donc, au départ, dans la querelle, le joual renvoie à une conception honteuse, méprisable, hein, de la langue parlée des Québécois aux yeux de Laurendeau et Desbiens. C'est donc principalement à cette conception-là de la langue, hein, par les élites que les partis pris vont s'opposer. On peut en effet donc dire que André Laurendeau et Jean-Paul Desbiens, hein, sont des élites. Laurendeau est rédacteur en chef du journal Le Devoir. Desbiens est un prêtre catholique enseignant dans un collège. Et donc, ils appartiennent à une forme d'élite qui méprise ici, hein, à travers un regard sur les jeunes, une langue populaire, hein, qui serait la langue du peuple ou des classe ouvrière pour Godin, comme on l'a vu, et donc c'est là que les partis pris vont s'opposer à la vision que proposent Desbiens et Laurendeau. Donc, dans cette perspective, les partis pris vont récupérer le concept du joual et lui donner une dimension politique identitaire. Donc, partant de la prise de conscience de Desbiens et Laurendeau, hein, sur le manque identitaire des Québécois ou sur leur insuffisance, hein, leur incapacité d'expression, donc partant de là, les partis pris vont chercher à aller plus loin que simplement dénoncer cet état de fait, hein, et mépriser les locuteurs. Hein, ils vont chercher à se servir de cet état de fait comme d'un levier pour dénoncer beaucoup plus largement la condition d'aliéner les Québécois et renverser, hein, la faute, hein, ce n'est donc pas la faute des locuteurs s'ils parlent mal, dit Godin, hein, mais bien la faute du système. Lise Gauvin explique bien la position des membres du parti, de parti pris quand elle écrit, hein, je cite, ils ne veulent plus, comme tant d'autres, se complaire à dénoncer la dégradation linguistique, mais préfèrent se servir de ce langage abâtardi pour dénoncer violemment la dégradation politique, économique et sociale du peuple québécois. Donc, dans son texte Le joual et nous, hein, donc paru dans Parti pris en 65, Godin va proposer une réappropriation volontaire du joual, hein, par les élites, donc qui vont devenir, hein, des alliés, hein, des classes populaires, contrairement à Desbiens et Laurendeau qui étaient plutôt des opposants. Hein, donc, réappropriation du joual par les élites, par des auteurs bourgeois, hein, qui souhaitent apporter leur soutien au peuple par la mise en scène littéraire de cette langue, hein, qui va devenir plutôt ici, là, donc qui va devenir le signe d'une authenticité, hein, d'un parler vrai. Hein, c'est la citation, c'est le passage donc qui ouvre la deuxième colonne, donc premier paragraphe, deuxième colonne. L'autre événement pour la littérature cette fois, ce fut que quelques bourgeois comme nous, hein, donc nous les partipristes, répudions nos origines, notre cours classique, nos soirées passées à gratter les classiques et surtout notre langue française pour choisir délibérément d'écrire mal, non pas mal, mais vrai. Hein? Donc l'idée que on renverse l'idée de d'écrire mal pour en faire un écrire vrai, un signe d'authenticité. C'est donc une prise de position forte de la part des partis pristes, hein, de refuser leur statut d'élite, hein, de bourgeois, qui pour la plupart, donc soit par leurs conditions familiales, soit par leur niveau de scolarité, hein, appartiennent d'emblée à cette élite ou à cette bourgeoisie. Donc refuser ce statut, refuser cet élitisme pour contribuer à la rédemption du peuple, comme le dit Godin. Hein, donc troisième paragraphe à la fin, la rédemption du joual et de ceux qui le parlent est en cours. Donc, il s'associe au peuple ici dans l'usage de cette langue et dans la rédemption de cette langue. Donc, pour eux, assumer le joual, hein, c'est assumer son identité de Québécois, non pas comme un défaut, hein, quand il évoquait les termes frog ou Kenok, mais bien comme une distinction, hein, comme une spécificité. Hein, un peu comme la veste de cuir linguistique des jeunes apparaissait comme un signe de rébellion, hein, assumé par les jeunes, hein, que dans les textes évoqués dans le texte de Desbiens. Donc, le joual, c'est un peu. Donc, c'est porté comme une veste de cuir en signe de rébellion pour les partis pristes également.
Or, il faut le dire ici, hein, puisque c'est quelque chose qui distingue les partis pris de quelqu'un comme Victor Lévy-Beaulieu, dont je vous parle dans un instant. Pour Godin, la réappropriation du joual est une étape. Une étape devant conduire par la suite à une véritable amélioration de la langue. Donc, la citation est donc dans le troisième paragraphe de la deuxième colonne. Le bon français, c'est l'avenir souhaité du Québec, mais le joual, c'est son présent. Donc, présentement, il faut se réapproprier le joual, mais donc dans le but d'instaurer un rapport décomplexé à la langue parlée par les Québécois, donc de débarrasser les Québécois de cette honte linguistique pour qu'ensuite ils puissent progresser dans la maîtrise d'un français correct, normé, d'un bon français qui serait l'avenir souhaité. Donc là, c'est important de faire cette distinction-là quand on parle, par exemple, de Godin ou des partis pristes. Or, au-delà de la question du joual social ou sur le plan social ou identitaire, les partis pristes rejoignent d'autres auteurs. Comme Victor Lévy-Beaulieu, quant au pouvoir créateur du joual en littérature. Donc, en effet, la langue, l'imaginaire de la langue joual, qui relève en partie du mythe ou d'une construction sociale, on l'a vu chez Godin, donc apparaît pour des auteurs comme une source d'inspiration qu'ils vont utiliser dans une perspective littéraire. Le joual devient donc ici non plus le reflet d'une langue qui serait une langue réelle, mais bien une langue inventée, une source de création assumée. Donc ces auteurs adoptent en quelque sorte la posture qu'on a vue chez les étudiants des biens qui clamaient avec fierté, on est fondateur d'une nouvelle langue. Donc c'est cette perspective créatrice-là qui sera mise de l'avant. Parmi les œuvres qui vont mettre en scène cette nouvelle langue, j'ai déjà évoqué le roman Le Cassé de Jacques Renaud, publié aux éditions Parti pris, dont la narration même est écrite en joual, ce qui donne parfois l'impression qu'on est toujours dans une forme de discours indirect libre, dans le sens où il n'y a pas de distinction entre la langue du narrateur et celle des personnages, donc il y a une forme de confusion ici dans les points de vue. J'ai aussi évoqué brièvement la poésie de Gérald Godin, notamment son recueil Les Cantouques. Si ça vous intéresse, je vais mettre sur Studium la lecture de son Cantouque déshypothéqué, si vous voulez aller voir comment ça sonne de la poésie joual. Ça rappelle un peu aussi Miron qui utilisait des anglicismes, des archaïsmes dans sa poésie. On va revenir sur Les Belles-Sœurs dans un instant. Donc reste Victor Lévy-Beaulieu. Auteur d'une œuvre colossale, dont Un rêve québécois, paru en 1972. Ce roman-là est peut-être une des œuvres les plus dures ou les plus violentes de la littérature québécoise, avec Le Cassé de Jacques Renaud. Donc, il s'agit de mettre en scène ici l'usage du joual dans ce roman de Beaulieu comme dans celui de Renaud, permet de montrer à la fois toute la douleur, toute la misère ou toute la révolte de personnages aux prises avec une grande colère issue de leur condition d'aliéné. Donc, Un rêve québécois, c'est un roman délirant, le roman d'un drame familial fantasmé par le personnage sur fond de crise d'octobre. Donc ça paraît en 72. Je vais m'arrêter ici plus longuement sur le texte de Beaulieu dont vous aviez à lire des extraits, Maman, Papa, le joual, puis moi. Et donc on voit dans ce texte-là que Beaulieu adopte d'emblée la posture de l'écrivain. Donc, dans le segment 2, le dernier paragraphe, moi, je suis un écrivain, ça veut dire que j'écris. J'écris pas une langue, j'écris des affaires. Je parle du monde, puis de moi, puis de toutes sortes de choses que je sais ou que je sais pas. Donc, d'emblée, c'est un écrivain, le joual, c'est sa langue d'écrivain, qui lui permet de raconter des affaires. S'il se réclame donc de parti pris, on est moins chez Beaulieu dans la posture de l'écrivain engagé, qui est celle des années 60, mais on est déjà plutôt dans celle de l'écrivain contre-culturel, transgressif, qui est davantage propre aux années 70, comme on le verra au prochain cours. D'ailleurs, ce texte paraît en 74. Donc pour lui, le joual, c'est à la fois une arme politique et culturelle contre le pouvoir établi et les
bien-pensants. Hein, donc, la contre-culture, c'est l'anticonformisme, hein, c'est refuser les normes sociales, vouloir les redéfinir, hein, ou se positionner contre. Et en ce sens, hein, le joual permet de se positionner à la fois contre les Anglais, hein, et contre les bourgeois canadiens-français, comme l'évoque Beaulieu dans son texte. Hein. Donc, en adoptant le joual comme une source de création, hein, et là je cite le passage bébé, entre parenthèses, dans le bas, en cette prise de possession du langage par le créateur québécois qu'évoque Beaulieu, donc, à partir de lui, de ce langage, il cherche à retourner les armes du pouvoir contre ce même pouvoir, hein, d'invalider les sources d'infériorisation du discours bourgeois, hein, ou qu'il soit anglais ou français, en les renversant pour en faire des sources de fierté. Hein. C'est donc retourner les armes de l'ennemi contre lui-même. Hein. Donc, vous voulez nous traiter de Kenock et de Frog, ben on va se réapproprier hein, ces éléments-là pour en faire une source de fierté. Vous voulez mépriser la langue joual, eh bien, ça deviendra une source de fierté et donc une sorte d'acte créatif. Hein. Il s'agit en quelque sorte de se créer soi-même dans une forme d'inventivité qui, comme Beaulieu le précise, hein, est à l'origine d'œuvres importantes comme Les Belles-Sœurs. Donc, quand on parle du joual en littérature, on pense hein, généralement tout de suite à la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Hein, même si on l'a vu, d'autres œuvres dont Le Cassé hein, avait fait l'usage du joual auparavant. Or, c'est la première fois hein, avec cette pièce des Belles-Sœurs que le joual apparaît sur scène, donc devant un large public, et ça va causer des réactions. Hein. Donc d'abord, la pièce est écrite en 1965, mais ne sera jouée pour la première fois qu'en 1968 au Théâtre du Rideau Vert. Hein, entre 65 et 68, Tremblay va essuyer plusieurs refus hein, de théâtre ou de metteurs en scène qui soit ne voient pas hein, dans cette pièce une pièce de qualité, en raison de la langue utilisée notamment, soit pressentent bien que ça ne fera pas l'unanimité, disons. Donc, et ce sera le cas en 68 quand la pièce va être jouée au Rideau Vert. Donc, voici un exemple de réaction aux Belles-Sœurs au lendemain d'une représentation. Il s'agit d'une lettre envoyée par un spectateur aux journaux, hein, au Devoir précisément, lettre qui l'intitule Quand le joual bave au Rideau Vert. Je cite, jamais, je cite un passage, hein, jamais en une seule soirée je n'ai entendu pareille galaxie de grossièreté. Il y a belle lurette que j'ai passé l'âge des scrupules et des bondieuseries, mais les paroles ordurières et les jurons mis dans la bouche des interprètes de la pièce m'ont tout simplement écœuré. Donc on voit bien que la pièce dérange d'abord à cause de la langue qui est mise en scène. C'est intéressant dans cette perspective de voir hein, la position de Michel Tremblay par rapport au joual hein, et particulièrement l'évolution de sa position qui va suivre un peu les étapes hein, du débat. Donc au départ, le joual pour Tremblay hein, en 65, quand il écrit Les Belles-Sœurs, relève d'un effet de réel. Hein, il correspond à la langue parlée de ses personnages, hein, des femmes issues du milieu populaire et ouvrier de Montréal. Et plus particulièrement donc du plateau Mont-Royal. Donc au départ, hein, y a une visée réaliste et il n'y a pas de dimension revendicatrice dans cet usage du joual. Or, après la polémique qui va suivre hein, la représentation de la pièce en 68, avec tous les débats entourant le joual, bon, Tremblay va adopter une position plus politique hein, avec une visée et va donner à sa pièce une visée de dénonciation. Hein. Je cite, et là c'est en 1969, je dénonce le joual qui non seulement est une langue pauvre ou de pauvre, mais aussi l'indice d'une paresse d'esprit. Mon théâtre en est un de claque sur la gueule qui vise à provoquer une prise de conscience chez le spectateur. 4 ans plus tard, en 1974, Tremblay adopte un autre discours hein, dans lequel le joual n'est plus une source de honte à dénoncer, hein, mais presque une source de fierté. Hein. Donc on sent qu'il a cheminé et qu'il adhère désormais au courant de réappropriation de la langue populaire dans la perspective hein, de la création hein, d'une culture ou d'une identité québécoise originale. Donc, je cite,
On n'a plus besoin de défendre le joual. Il se défend tout seul. Cela ne sert à rien de se battre ainsi. Laissons les détracteurs pour ce qu'ils sont, des complexés, des snobs, des colonisés culturels. En s'insurgeant contre le joual, on veut empêcher le peuple de parler, de communiquer. Quelqu'un qui a honte du joual, c'est quelqu'un qui a honte de ses origines, de sa race, qui a honte d'être québécois. Ah, donc, le cas des belles-sœurs est intéressant. Ah, donc, ici, ou le cas de la position de Tremblay, hein, parce qu'il montre bien ce mouvement d'abord en perspective plus réaliste, hein, effet de réel, ensuite dénonciation d'une langue pauvre, puis réappropriation hein, et fierté liée à l'usage de cette langue qui devient un signe identitaire québécois. Donc, si on revient à l'histoire même de la pièce Les Belles-Sœurs, hein, son cas est intéressant parce qu'il contredit en partie l'affirmation de Desbiens hein, en 1960, selon laquelle, et là je cite, c'est dans la dernière colonne du texte de Desbiens, hein, donc deuxième paragraphe de la dernière colonne, hein, pour échanger entre primitifs, une langue de primitifs suffit, les animaux se contentent de quelques cris. Mais si l'on veut accéder au dialogue humain, le joual ne suffit plus. Hein, cette idée-là que hein, le joual ne permet pas de communiquer avec d'autres individus hein, issus de la francophonie ou ailleurs, hein, donc ne permet pas d'échanger, nous oblige à rester confinés au Québec. Hein, donc, si en effet, en 1968, la pièce Les Belles-Sœurs n'a pas reçu hein, la subvention demandée par Tremblay pour aller jouer à Paris, donc parce que soit on avait peur qu'elle ne soit pas comprise, hein, donc en lien avec l'argument de Desbiens, soit parce qu'on avait peur qu'elle véhicule hein, une mauvaise image du Québec à l'étranger. Donc, si en 68, la pièce n'a pas reçu la subvention, la suite de l'histoire va prouver hein, que ces deux arguments-là sont faux, donc va prouver le contraire, hein, puisque la pièce a été traduite dans une vingtaine de langues, hein, elle est jouée à Paris, jouée et comprise, elle a été jouée aussi à travers le monde, bon, elle est jouée en France, j'ai dit Paris, mais toute la France, hein. Elle est jouée à travers le monde, elle a fait l'objet d'adaptations, hein, dont la plus récente est la version en théâtre musical, par exemple. Et donc, ce succès international de la pièce de Tremblay va en quelque sorte clore le débat sur le joual. Donc, avant de mettre fin à cette première séance sur parti pris et la querelle du joual, j'attire votre attention sur quelques sources d'informations supplémentaires si vous voulez aller plus loin. Donc sur parti pris, je vous conseille l'anthologie de Jacques Pelletier de différents textes qui va plutôt du côté politique de parti pris, hein, même s'il y a une part de littérature. Du point de vue littéraire, le livre Parti pris littéraire de Lise Gauvin hein, explore justement le côté littéraire de parti pris. Sur la question de la langue, plus globalement, des liens entre langue et littérature au Québec, le livre de Karim Larose, La langue de papier, spéculation linguistique au Québec, est un incontournable. Sur le joual, plus particulièrement, je vous suggère l'émission de Tout le monde en parlait, Les artistes et l'affirmation du joual, hein, qui se retrouve en 3 épisodes sur YouTube. Et ça va permettre de faire un lien, hein, si vous allez voir, avec le prochain cours, puisqu'on parle dans cette émission-là, de spectacles qui auront lieu dans les années 70, comme l'Hostie Show, hein, qui est le produit d'une création collective. Et c'est ce qui sera le sujet de notre cours de la semaine prochaine.